beaucoup de matchs. Hein. Non, il y a beaucoup de matchs, on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Mais je dirais, pour moi, le meilleur match réussi de l'équipe, je pense que c'était contre Montpellier. Contre Montpellier, on avait vraiment dominé du début à la fin le match. Ça se voyait qu'on prenait du plaisir tous ensemble. Donc, ouais, je dirais ce match-là. Tu viens donc de remporter le trophée UNFP du joueur du mois de septembre en Ligue 1. Qu'est-ce que ça te procure, cette distinction? Oh, c'est une très bonne récompense. Je suis vraiment très fier de l'avoir. En plus, ici à Paris, donc je suis vraiment très très fier. Et c'est une récompense qui vient avec beaucoup de travail, donc je peux être que fier. 6 buts en cette rencontre de Ligue 1, ce qui fait toi le meilleur buteur du championnat depuis la reprise. Qu'est-ce qui te rend aussi performant selon toi? Déjà, je pense que c'est les coéquipiers aussi. Je suis vraiment bien aidé là. On a une très bonne équipe cette année, donc je peux que être aidé. Après, comme je l'ai dit, c'est le travail, vraiment beaucoup de travail et ce truc-là d'avoir vraiment envie de marquer. Et voilà. Tu parlais de tes coéquipiers, comment tu la décrirais cette connexion que tu as avec eux justement depuis ce début de saison? Non, ça se fait naturellement. C'est vrai qu'on a déjà eu la saison dernière, là avec les joueurs aussi qui rentrent dans l'équipe, qui sont vite adaptés. Donc ça se fait vraiment naturellement et ça se fait très bien. On va également faire entrer dans l'équation ton coach, Luis Enrique. Comment est votre lien? Est-ce qu'il a des consignes particulières pour toi qui t'ont permis justement de briller sur ce mois de septembre? Est-ce qu'il y a une phrase, un conseil en particulier qui t'a été utile? Non, déjà j'ai une très bonne relation avec lui, cette relation de confiance qu'il m'a toujours donnée, même dans les moments les plus délicats, il a toujours été à mes côtés, à me pousser. Une phrase, ouais, je pense c'est de marquer aussi. C'est bien de faire des passes, de faire des dribbles, mais en attaquant, le plus important c'est de marquer quand même. Donc j'ai pris conscience de ça et voilà.